tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, vidéo qui va pas être très longue, juste pour vous partager une petite session carpe qu'on se fait avec un pote, Bastien, qui est juste là. Et on est à la carpe sur un lac qui est juste derrière moi, un lac très très pêché, c'est un carpodrome en fait. Et on s'amuse à faire quelques carpes. Moi je suis au feeder, mais sans cache feeder, juste avec un plomb, donc j'ai juste une plombée. Parce qu'ici ça sert à rien d'amorcer à la cage, puisque je pêche à 2 mètres du bord après les peines. Et après j'ai mis la petite canne, la baïa, juste là, qui est pas du tout adaptée pour pêcher la carpe. Mais bon, quand ça part, c'est drôle. On espère juste que ce soit des petits poissons. Bon, pour les appâts, tout simple, un petit hameçon, un maïs sur l'hameçon avec une petite plombée, 20 grammes sur la baïa et 70 grammes sur la canne feeder, et une poignée de maïs juste là où on pêche, et puis c'est tout. Oh, ça a décroché ou cassé, je sais pas. Serre le frein. J'étais en train d'avoir un appareil photo dans les mains quand il y a eu un départ. Ça n'a pas l'air d'être une toute petite. Je vais voir, le frein est assez serré. C'est pas une pitchoune. Doucement. Laisse-la partir. Yes. Ouais. Bon, on est en phase d'attente. On a une canne posée devant l'arbre qui est juste là. Juste devant l'arbre. Et la deuxième canne qui est juste à côté là, à environ 3 mètres du bord. Vraiment pas besoin de pêcher loin, on a les deux cannes qui pêchent au bord quasiment. Amorçage à la main, on sent du maïs tout simplement. Et voilà.